Bonjour. Comment font les chanteurs pop pour composer leurs chansons? Ils utilisent ce qu'on appelle les quatre accords magiques. On les trouve dans l'élaboration d'une grande majorité des morceaux actuels. Pour comprendre, il faut savoir que toutes les œuvres de musique depuis l'époque baroque, c'est-à-dire depuis 1607 et l'Orfeo de Monteverdi, sont construites sur une harmonie tonale. L'harmonie est constituée par l'enchaînement de plusieurs accords. Pour faire simple, c'est une vision verticale de la musique qui complète le mouvement horizontal, c'est-à-dire la mélodie. Voici un petit élément de compréhension. Dans la musique classique, il existe une très grande variété de successions d'accords et de modulations. Pour composer les chansons depuis les années 50, on a extrait les accords sur 4 degrés différents. Un degré correspond à une place sur la gamme. Elle est notée en chiffres romains. 1, 4, 5, 6 sont les fameux 4 accords dits magiques. Les chanteurs les ont combinés dans des ordres différents. Voici les 3 enchaînements les plus utilisés. Il en existe 2 autres que l'on retrouve plus rarement. Dans les années 50, 60, début 70, on utilisait souvent les degrés dans l'ordre 1, 6, 4, 5. Bien sûr, ça reste schématique, car il existe une multitude de contre-exemples. Dans les années 70, 80 et 90, on a utilisé les mêmes accords mais dans un autre ordre. 1, 5, 6, 4. Depuis les années 90, il est très fréquent de retrouver ces degrés dans l'ordre 6, 4, 1, 5. Se me corta la respiración cuando tú me miras, se me sube el corazón, me palpita lento el corazón, y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol, bailando. Si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando.
eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Les agencements 4-1-5-6 ou 5-6-4-1 sont aussi possibles, mais ils sont moins fréquents. On peut observer des chansons qui réunissent plusieurs combinaisons dans le même morceau. Par exemple, une dans le refrain et une autre dans le couplet. Savoir dire tant pis. Avoir juste envie. Rester dans son lit. Tout ça m'est interdit. Oh, il faut que quelqu'un m'aide. J'espère que nous avons pu ensemble dissiper un des mystères de la musique. Pour en découvrir d'autres, c'est très simple, suivez les vidéos en lien, likez et surtout, abonnez-vous. Never.